C'est vraiment sympa la Grèce. Superbe. Ah, et Tahiti, c'est encore bien mieux, je veux te dire. Oh là là. Si tu voyais comme c'est beau. J'imagine, mais enfin. Pas quoi que la Grèce, j'en ai pas réellement besoin, moi. J'ai ce qu'il faut. Non plus. C'est vraiment une langue bizarre, en tout cas. Hein. Je comprends deux, trois trucs, mais bon, c'est pas de si tu le prenais à l'endroit, tu verrais mieux, hein. Moi, je te dis ça comme ça, hein. Ah, mais c'est pas en grec, c'est en français. Je le savais. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue au Club des Hits. Ah oui. Votre émission en direct des années 80. 80. Comment votre ça va? Votre mascotte est de retour, tu vois. Ah oui, super. Ça va, toi? Ça va bien. Comment vas-tu par ce beau temps? Très, très bien. Ouais. Mais je suis un peu triste. Ah. C'est la dernière émission de la saison. Je m'en doutais. Déjà. C'est vrai que c'est la dernière aujourd'hui. Avec plein de nouveautés dès le mois de septembre. Vous allez voir, vraiment sympa. Vous réservons plein de surprises. Ah oui. Alors aujourd'hui, le sommaire. On commence le sommaire tout de suite là? Bah écoute, je sais pas, tu voudrais peut-être te faire bronzer un peu, toi comme t'es là. Je vais reprendre le temps. Ah ouais. Ah, ouais. On va commencer par Bienvenue chez les Margotons, rediffusion. Vous l'attendiez, hein, il y a longtemps que vous ne les avez pas vus. Vous allez retrouver les Margotons pour deux épisodes aujourd'hui. Avec Rébus Rébusons tout de suite après. Ah, on va jouer. Ah ouais. Et puis ensuite, on va inaugurer une nouvelle rubrique qu'on continuera la rentrée. Nous allons recevoir un invité aujourd'hui. Ah, super. Un invité surprise. Alors. On n'en dit pas plus. Ah, il a marqué, en tout cas pour les Berrichons, les années 80, ah, les c'est enfants. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous verrez ça. Beaucoup, beaucoup de souvenirs. Ensuite, on continue. Après, un autre épisode de Bienvenue chez les Margotons. Oh, vous êtes gâtés aujourd'hui. Ouais, ça va être vraiment sympa. Et ensuite, on aurait le résultat du dernier jeu de l'année. Aïe, aïe, aïe. Avec le dernier porte-clés Ambroise et le dernier disque. Il y aura des gagnants, vous serez contents. Et puis, on terminera en chanson. Avec la ronde des génériques. Et j'ai une idée. Oui. Tu me dis si tu ne ferais pas éventuellement Monsieur Okasan. Je sais pas. Je demande. Je crois que je la connais, oui. Un petit peu. Alors, si ça vous tente, eh bien effectivement, je vous chanterai Monsieur Okasan en live. C'est vrai? Pourquoi pas? Ah, ça pourrait être vraiment sympa. Pour finir la saison? Très bien. Ok. On va finir en chanson, comme toujours. Merci, Echo. Il est adorable. Ça, j'en sais rien. Faut demander à Ambroise. Non, je préfère pas, vu ce qu'il m'a fait bouffer la dernière fois. On le retrouvera tout à l'heure, pendant l'entretien. D'accord, mais tu me laisses partir avant. On commence tout de suite? Ouais. Avec une super série? Allez. Bienvenue chez les Margotons. C'est prêt? Ouais! Et voilà, voilà! Petit gratiné d'aubergine à ma façon! C'est de l'aubergine? Bon, j'ai compris. C'est encore pas bon, hein? Il y a des moulineaux dans le placard. Je mets de l'eau à bouillir. Je fais ce que je peux, les enfants. Hein. Depuis que votre maman a décidé de travailler, hein, je la vois pas non plus avec mon seul mercredi de libre. Comme si je gagnais pas assez pour faire tourner la baraque. Ah, quelle époque, mes pauvres enfants. On pense plus qu'au fric de nos jours. Justement pas. Comme tu parles de flouze, m'aurait fallu 50 balles pour ce tantôt. Hein? Mais t'as eu ton argent de poche hier, il me semble. Ça va, oh. On n'est pas des vaches à lait. Bah ouais, t'as qu'à faire comme moi. Dès qu'une dent bouge, crac, je l'arrache. Et hop, la souris me donne des sous. Hein? Je perds plus mes dents depuis longtemps, moi, pauvre andouille. Pas un bêche. Bon, ça va, oui. Ça suffit. Vous me mangez ça et vous filez faire vos devoirs dans vos chambres. C'est ma journée footing. J'aimerais bien avoir un petit peu de calme. Jérôme! Ta sœur rentre à quelle heure? Je sais pas. Bon, je vais courir un peu. Je vais faire ma clé, hein, d'accord? Pas de bêtises, hein? Oh ben non! De toute façon, ça va être réécrit d'Ariane, alors je vais regarder. Bon, à tout à l'heure. C'était pas bon son machin, Burk. Miam, alors ça, les grillinettes à la fraise, c'est super bon. Et voilà, prochain épisode des Cavaliers de la Galaxie, mercredi prochain. On continue en chanson avec Francis Pardou. Ouais, le bonhomme savant
vers mille et un trancards, quand c'est la petite bête qui dirige la grosse. Henri IV disait, Charmilieu, c'est un os. Dis-moi ce que c'était pour toi, mon DSK. Mais t'as passé toute la journée devant la télé. Allez, allez, file jouer dehors, t'aérer un peu. Pimpilou t'attend. Hé, papa, c'est qui mon DSK ? Mais qu'est-ce qu'ils vous font regarder à la télé ? Oh, allez, dehors ! Voilà, je m'intéresse, je pose des questions et je me fais fâcher. Pouh, oh les grands, c'est toujours de mauvaise humeur. Et puis demain, l'école. Oh, j'aime mieux le mercredi. Je me lève tard et il y a récré d'Oriane à la télé. Et puis, les chansons de Francis Pardoux, elles sont plus rigolotes que celles du Père Bellevue. Bon ben, à demain. Conjonctivite, clématite, ah, clubdite, on l'a. Alors, émission nostalgique des années 80, présentée par un espèce de koala stupide, un chanteur has-been. Hey, écho! Est-ce que t'as rigolé, toi? Non, mais il parle de nous dans le dictionnaire, là, ah, sur bah, clubdite, là. Ah, bah, tourne la page, tu vas rigoler. Ah, il y a des trucs derrière? Ouais, ouais, c'est pas fini. Et en co-animation, un espèce de gros. Ouais, c'est des gros nazes, les dictionnaristes, là. Non, mais attends. J'espère que vous avez réussi à trouver le résultat du rébus. Nous avons un invité aujourd'hui. Bonjour Gérard. Bonjour Eco. Alors, on va te présenter parce que je pense que les copains ne doivent pas savoir qui tu es en fait. Hein. Sauf les berrichons. Peut-être certains qui m'ont connu avant, mais avec l'âge maintenant ils me reconnaissent. Aussi. Donc Gérard a animé pendant quelques années une émission jeunesse sur la radio locale du Berry. Radio Berry Sud, RBS. C'est ça, RBS à l'époque. Qui est devenu France Bleu. Et ben, il est là pour nous parler justement de ces belles années où il a animé cette petite émission avec des marionnettes, mais des petits copains plus ou moins virtuels qui, je dois dire, ont bien influencé la création d'Ambroise. Donc Gérard est un peu le papa d'Ambroise quelque part. Voilà, j'étais déjà le papa de RB et BS, mais me voilà le grand-père d'Ambroise alors. D'accord. Avant de faire de la radio, tu as fait quoi ? Alors avant de faire la radio, j'ai fait de la banque, de l'orchestre, de la publicité, de l'hypermarché et de la radio. Grand parcours. Voilà, oui. Et donc la radio, c'était en quelle année ? Alors la radio, bah, quand RBS a ouvert en avril 82, je suis rentré, je faisais partie de l'équipe du début à ce moment-là, quoi. Et j'animais, je présentais les matinales du week-end, et puis il fallait meubler ces matinales. Alors il y avait plein de jeux, plein d'idées. C'était une époque où la radio était même service public, donc on était tenu avec les infos, la météo, les choses comme ça. Mais on changeait d'émission à peu près tous les 3 mois. Oui. Il avait des idées et Henri Cyr, qui était le directeur, disait « Allez-y, donnez-moi vos idées, attention, il voulait recontrôler, choses comme ça. » Et si bien que
au cours de mes matinales de week-end, à la rentrée de 1982, en septembre 82, j'ai créé, comme je faisais des voix, j'avoue que j'ai un don, c'est celui de la voix, et aussi bien pour chanter que pour faire. Tu n'as pas bougé d'ailleurs depuis l'époque. Un petit peu, merci. Et j'ai inventé des nounours. Alors la première émission, je faisais dans le même micro la voix de Gérard, le présentateur, plus celui d'une petite oursonne jeune et un peu écervelée, et d'un gros ourson. Cette voix-là m'a servi après quand j'ai fait le Père Noël dans d'autres endroits. Et puisque j'ai vu tout de suite, puisqu'on pouvait rentrer à la radio, tout le monde pouvait venir voir, et je pense que tu en as fait partie, on pouvait voir que, on m'a dit, tu fais des voix, tu fais des oursons, mais il faut qu'il y ait des oursons, les gamins viennent et ils ne voient pas les oursons. Donc j'ai acheté deux gros nounours, une un petit peu plus petite, brune, et un presque blanc, qui était le nounours. Je les ai mis de chaque côté du micro, comme une photo que tous les enfants de l'époque doivent avoir. Je l'ai eu. Ah, je l'ai encore. Et donc, je faisais les voix. Et alors, au lieu de les faire dans un micro, il y avait trois micros. Et quand je faisais BS, je faisais dans ce micro-là. Quand je faisais RB, je faisais dans ce micro-là. Et ça marchait tellement bien que les enfants se sont mis à venir voir et à demander quand est-ce que c'est. C'était le samedi matin. Et Radio France à Paris a écrit ou un coup de téléphone à Henri Cyr, le directeur, en disant « Il nous faut une histoire de cette émission qui a l'air de super bien marcher. » Alors j'ai inventé une histoire en disant que, comme j'allais en vacances dans les Pyrénées, j'avais trouvé BS qui s'appelait DS, mais comme elle prononçait mal les D, elle disait qu'elle était BS. Et elle m'a sauté au cou tout de suite, donc je l'ai ramenée. Et puis j'avais un ami qui était, je crois que c'était au zoo de la Touche, un truc qui avait un ours, un vieil ours. Et puis lui était vraiment très gentil, parlait, était sage et raisonnable. Donc, en les réunissant tous les deux, j'avais ma petite famille de nounours. Herbé qui avait un petit accent russe. Oui, mais il arrivait du Caucase. Hein, il arrivait du Caucase entre la Russie et l'Afghanistan aujourd'hui, à peu près. Hein. Donc, il était plutôt... il parlait comme ça, oui, bonjour, tu te rappelles un peu. Évidemment. Est-ce que tu te rappelles quand tu as chanté? Oui, je crois que c'était la première chanson que j'ai faite en public. Si, je me souviens, moi, quand tu chantais, oui, oui, oui. Voilà, j'ai merci du mal BS maintenant, mais je trouve encore les deux voix, parce que je me suis beaucoup amusé à faire ça. Quand et Echo, donc, tu avais combien, 5 ans, toi? J'avais 5 ans, oui. Oui, oui, et tu as chanté quoi? Une souris verte qui courait dans l'herbe. Voilà, ça c'était le tube des enfants de ton âge. Ah, de bon, évidemment. On l'a entendu beaucoup, beaucoup. Et tu avais gagné un disque, je crois, une photo. Oui. Alors, si mes souvenirs sont bons, le disque, ça devait être Billie Jean de Michael Jackson. Ah, c'était la grande année. Oui. Et je l'ai encore aussi. Et encore, oui, parce que c'est collector maintenant. Ah, bah, un collectionneur, ça doit de l'avoir. On regarde une petite vidéo pour montrer un peu l'ambiance de l'époque, ce qui se passait à la radio. Eh bien, d'accord, allons-y. Eh bien, c'est parti avec RB et BS et Gérard. Bonjour les enfants, bonjour RB, bonjour BS. Bonjour Gérard, et bonjour à tous nos petits amis. Bonjour aux petits, et puis bonjour aux grands aussi. Alors, cette semaine, ça s'est bien passé les enfants? Très très bien, il y a même ma maman qui est venue me voir. Eh bien, Herbé, c'est la première fois que je te vois rire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vois. Ce monsieur, il a sûrement un vilain tour à me jouer dans son sac. Oh, mais tu n'as pas vu, Gérard, que BS s'est déguisé en clown aujourd'hui. En clown? Ah. Tu parles? Je me suis juste fait un petit maquillage. En effet, oui. Mais tu es très jolie, dis donc, ma chère BS. Oui, elle pourrait même faire un très très bel épouvantail. Enfin, n'exagérons rien. Mais il faudra quand même apprendre, ma chère BS, car tu manques un petit peu d'expérience. Il faudra apprendre à te maquiller, hein. Et je me demande si c'est bien raisonnable, d'ailleurs, pour une petite fille de ton âge de se maquiller. Si, monsieur. Et c'est... Moi, je suis sûre, c'est que vous êtes jaloux tous les deux. Oh, pas du tout. T'as grande chose à dire, toi, mal rasée, pleine de poils. Oh, c'est fini, dis-moi, BS. Qui t'a procuré ce maquillage? Ah, enfin, je peux prendre la parole. Eh bien, je voulais vous dire que cette semaine, eh bien, j'ai eu la visite de ma maman. Oui, elle est venue des Pyrénées pour me voir. Et même là-bas, tu te rends compte, eh bien, on me connaît maintenant, là. Oui, ah ben ça, en effet, c'est une très très bonne nouvelle. Je pense, BS, que tu lui as dit notre bonjour à nous deux, et puis un grand salut de notre part, hein, toute notre reconnaissance à ta maman. Bien sûr, et même qu'elle fait de grosses billes à vous deux. Elle a dit que c'est l'amitié à RB qu'elle le trouve très gentil.
Oh, que je suis flatté. Oh, tu sais, entre nous, ma maman, elle a jamais tellement eu beaucoup de goût, hein. Et bon, allez, ça va comme ça. Elle t'a procuré du maquillage, ta maman? Oui, et puis du miel, du bon miel des montagnes. Et puis moi, eh ben, je lui ai fait un beau cadeau. Ah, ça c'est très très gentil, ce beau geste. Je lui ai offert un très joli bracelet à ma maman et elle le porte à son détroit. Comment? Elle le porte à son détroit, tu veux dire à son bras, je suppose. Oh, tu sois et toi, toujours tu dis des choses. C'est la même chose. À l'école, la maîtresse, elle a dit qu'un détroit, c'était un bras de mer. Eh bien voilà, petit extrait bien sympathique, ma foi. De bons souvenirs. pour tout le monde, j'espère. Pour vous, souvenir si vous êtes du Berry, et puis une belle découverte si vous ne connaissiez pas. Que deviens-tu aujourd'hui? Eh bien, je suis à la retraite. Parce qu'après Radio France, j'ai quitté Châteauroux pour aller à Rennes, de Rennes je suis allé à Bourges, de Bourges je suis allé faire quelques expériences à Lyon, à Nice, à Belfort. Après j'ai été responsable de programme à Périgueux et j'ai fini ma carrière pendant 14 ans directeur à France Bleu Creuse. D'accord. Et aujourd'hui, tu et vis aujourd'hui je suis très loin. À la retraite et aujourd'hui je vis, j'ai quand même gardé la maison familiale à Saint-Marcel près d'Argenton. Mm-hmm. Et puis je vis beaucoup de mon temps en Égypte au Caire et puis à Souan, enfin la plupart des lieux historiques de l'Égypte, puisque je suis un amoureux depuis fort longtemps de l'histoire égyptienne, de l'histoire des civilisations, des religions, et ça me passionne, et j'écris et je lis et je fais des photos et je vais, et il suffit de regarder sur ma page Facebook. Alors, on va vous mettre l'adresse qui s'inscrit sur l'écran. Et bien voilà, je pense que les copains ont découvert ton parcours. Merci d'être venu. C'est quoi? Ça, c'est le téléphone. C'est Ambroise. Presque sûr. Allô, Ambroise? Oui, c'est moi. Ah bah, je me doutais que c'était toi, oui. Gérard est là. Ah ben, je te le passe. Oui, tout à fait. Ah, super. Merci. C'est Ambroise, il veut te parler. Allô, Ambroise? Gérard? Bonjour. C'est vraiment toi, en vrai? Eh oui, c'est vraiment moi, tu vois. Oh là là! Et dis-moi, je voudrais savoir ce que sont devenus RB et BS. Ah, savoir ce que sont devenus RB et BS. Eh bien, écoute, oui. Les peluches ont fini dans les mains de mes petits-enfants, mais RB et BS sont toujours vivants, parce qu'ils sont toujours dans mon esprit. Ouf. Et ah, c'est pour ça. C'est bien. c'est pour ça qu'ils vont quand même très très bien. D'ailleurs, je vais pouvoir te dire un tout petit mot de la part de BS. Oui. Bonjour Ambroise, comment tu vas? Tu es une ours toi aussi? Ah non, je suis un koala moi. Oui Ambroise, je vois que tu es très sage et que tu diriges Echo d'une manière magnifique. Et je continue à te dire que je te félicite et je te suivrai toujours tant que tu seras sur Facebook. Oh, merci beaucoup, Gérard. Je t'aime beaucoup. Hein. Merci pour l'interview. D'accord, Ambroise. Allez, je te remercie beaucoup. Je t'embrasse de la part des nounours, et puis moi aussi, bien sûr. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut, copain. Salut, mon grand. Oui, salut. On te remercie beaucoup, Gérard. Merci d'être venu de chez loin. Ben, c'est pour mon plus grand plaisir. Hein. Mais j'avoue que là, je n'ai pas pris l'avion pour venir du Caire. Je viens d'Argenton. Ah, ça va. C'était moins loin. Merci à toi. Et puis, longue vie à toutes tes émissions, que je regarde régulièrement. C'est super. On continue notre programme avec la rediffusion d'un deuxième épisode de Bienvenue chez les Margotons. Le Club des Hits, c'est... J'aurais bien pris un café, moi, Didier. Ça fait mal quand même. Allô? Ah, bonjour, madame Nguyen. Oui, je vais bien, merci. Enfin, tout...
tout le monde va bien, oui. Quand ? Ce soir ? Ah ben, je pense, oui. Ah, ça, il va être content. Je pense que c'est bon, attendez, je demande à ma femme. Hey, c'est Mme Nguyen. Son fils emmène Kim au cinéma ce soir et elle demande si Jérôme veut venir. Ce soir ? Eh ben, on va manger tard avec tout ça. Bon, son gâteau d'anniversaire est froid de toute façon. Bon ben écoute, c'est bon, il sera content, oui. Eh bien c'est bon, pas de problème. Donc il les prend directement à l'école ? Ok, très bien. Bonne journée à vous, Mme Nguyen. Elle est charmante, cette dame. Et puis dis donc, qu'est-ce qu'elle progresse bien en français ? Oui ben, essuie-moi les bols, tiens. Pfff, charmante, tu parles. S'il suffit d'avoir un accent, moi aussi je peux causer avec un accent. Non mais, mon bouton d'or chéri, je disais juste que je trouvais que cette famille s'intégrait bien chez nous. Et puis c'est gentil pour Jérôme. D'ailleurs, il n'est pas sorti de la salle de bain, il va être en retard celui-ci. Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Merci Jean-Paul de m'avoir emmené, je suis super content. Surtout qu'il y a un moment que je voulais le voir, les grenouilles samouraïs. Mais Popo, il aime pas bien ce genre de film. Waouh, la semaine prochaine, il passe Retour vers l'aventure. Cool. Mais c'est quoi comme film? Ah ça oui, avec Michel Jean Renard. Oui, il joue pas mal. Bah, tu penses pas aller voir ça, tu préfères les films de Kung Fu. Alors, deux demi-tarifs et un adulte, ça vous fait 82,70. Merci madame, bonne soirée. Oui, oui, suivant, allez. Eh ben dis donc, elle est pas polie, elle. Si maman était là, elle lui dirait qu'il faut dire merci. Ah ouais, haha, il immobilise son ennemi avec du wasabi. Il est vraiment super fort, ce Vigor Hugo. Hey, attention, Alessio Dumas, il y en a un derrière toi. Eh oh, vous pourriez pas le faire taire, un peu votre gamin. Mais ce n'est pas mon... Ah, ça y est, c'est l'entracte. Tu vas voir, ils ont des bonbons incroyables, en général. Alors, mon beau garçon, on a choisi ? Popcorn, Eskimo, caramel ? Oh ouais, un Eskimo. Bon alors, jeune homme, tu veux quelque chose ou pas ? Ben mes amis, les prix aussi ils sont incroyables. J'ai même pas assez d'argent de poche pour acheter un Eskimo ici. Ben moi je garde mes sous, tant pis. Ah ouais, je vous ai pas dit. Demain, je vais chez mon copain Vincent et on va fêter mon anniv. Ça va être génial. Vous venez, hein? Bon ben, à demain. Non mais je t'ai dit, déjà la dernière fois, ce sont des boîtes vides. Y'a rien dedans. Mais toujours il pense qu'à manger celui-là, c'est pas possible. Je le savais. Oh. Figure-toi que je le savais. Tu le savais. Je suis déçu, mais je le savais. Je te voyais bien que tu essayais de... Pas du tout. En plus c'est très bon ça. Tu vas me faire encore passer pour un gourmand. Oui c'est très bon ça. C'est excellent. Hein, t'aurais mieux fait de laisser les gâteaux. Bon tirage au sort du jeu. Vous avez l'habitude, hein? Bien sûr. Vous l'attendiez. Bien sûr. Donc nous avons 4 finalistes pour ce dernier jeu de la saison. On montre déjà les cadeaux peut-être? Oui. Hein, qu'il y a à gagner. Moi je regarde quand même, c'était pas oublié un gâteau. Le porte-clés Ambroise. Il a enlevé tous les gâteaux. Et puis un vinyle, un très beau vinyle. Oh, ça va nous rappeler les vacances. Ah, y'a qu'à lancer. Y'a qu'à lancer. Raf. Très grand tube ça. Oui, grand tube. Très grand. Ok, tirage au sort. Je te laisse faire le tirage. C'est vrai? J'ai le droit? Tiens. Hop là. Un seul. Tac. Hop, tant pis pour celui qui est tombé, c'est celui que j'ai dans la main. Ah ah. Le gagnant est... Brigitte. Bien, bravo Brigitte, tu remportes ces jolis cadeaux. C'était le dernier jeu
De la saison, déjà. Tout à fait, ouais. Avant de retrouver la suite, on peut vous souhaiter... Oui, c'est ça, je voulais parler un petit peu des vacances. Et ouais, tu pars tout en vacances. Bah, je t'ai dit tout à l'heure, non, il y a des concerts, il y a le dessin animé à faire, donc... On a le même problème tous les deux, hein. Eh oui. Les vacances, c'est pas l'été. Non. Oui, mais je crois que les copains attendent avec impatience ouais. la nouvelle émission, la nouvelle série. Tout à fait, la nouvelle émission, ouais. Le single, j'espère. Bien sûr, ouais. Attendez. La nouveauté dès début septembre avec la nouvelle émission, un nouveau générique, une nouvelle manière de faire, mais des toujours l'ambiance authentiquement du Club Date. 80. Tout à fait. Sur ce, nous allons retrouver la ronde des génériques. Tout à fait. Avec le générique de Monsieur Okasan. Okasan est un bosseur. Monsieur Okasan arrive à l'heure. Quand arrive un accident soudain qui va changer son destin, Monsieur Okasan fait le ménage et le repassage avec courage. Françoise et Camille vont le soutenir dans les bons moments et les pires. Monsieur Okasan nous fait sourire et toujours saura nous séduire. Ah, le gagnant est Brigitte. Eh bien, bravo. Bravo. C'est la dernière de l'été. On a le droit de rigoler quand même. Bravo, bravo, Brigitte. Eh bien, bravo. Allez, Antoine. Attends. Eh bien, bravo. Et à la rentrée, donc, rendez-vous le 10, 11, 12. Rendez-vous début septembre. Ouais. Rendez-vous début septembre.